En avril 2023, Catherine Matoche, présentatrice des journaux du week-end de France 3, a été victime d'un accident domestique, elle s'est fracturé le poignet. Facture qui l'a tenue éloignée des plateaux de télé pendant 2 mois. Mais elle va, très, bientôt revenir à l'antenne. Les problèmes s'enchaînent. En 2022, Catherine Matoche, présentatrice des journaux du week-end sur France 3 depuis 2004, annonçait qu'un cancer des poumons lui avait été diagnostiqué. C'est bien d'en parler, comme il l'a fait, déclarait-elle, faisant référence à Jean-Pierre Pernaut, emporté par la maladie, dans une interview accordée à Télévision Grande Chaîne. J'en parle ici pour la première fois. Dans mon cas, heureusement, la maladie n'en est pas au même stade et a été traitée à temps. Point, je suis confiante, combattante et en harmonie. J'ai été opérée d'un cancer des poumons il y a plusieurs mois, cette maladie est derrière moi. Tout va bien maintenant. Depuis avril 2023, c'est un autre problème de santé qui tient Catherine Matoche éloignée des plateaux télévisés. Les emmerdes, ça vole en escadrille, déplorait-elle sur Instagram dimanche 16 avril 2023, révélant qu'elle s'était cassé le poignet lors d'un accident domestique. Envers et contre tout, je garde le sourire. Pas le choix, malgré l'absence brutale de ma main droite à cause d'une stupide fracture du poignet. Ah, les accidents domestiques. Je vous dis à dans quelques semaines sur France 3. Et, pendant son congé maladie, Catherine Matoche a eu une, très, mauvaise surprise, le Parisien a révélé que la présentatrice de 63 ans était sur le point de quitter France Télévisions, du fait de la suppression des JT nationaux du France 3 au profit de journaux régionaux. Catherine Matoche de retour sur France 3 vendredi 16 juin 2023 alors que son avenir est incertain sur la troisième chaîne, Catherine Matoche va tout de même faire son retour à l'antenne pour la fin de la saison, 2 mois après son départ pour cause de fracture au poignet. Je reprends mercredi prochain et je serai donc à l'antenne vendredi, 16 mai, note de la rédaction, a-t-elle révélé dans une nouvelle interview accordée à Télé Loisirs. Elle présentera les journaux du week-end jusqu'à la fin du mois de juin, avant de partir en vacances au mois de juillet. Quant à sa présence à l'antenne à la rentrée, le suspense est toujours entier.